Vous avez le sens des volumes et des formes. Esprit logique et méthodique, minutie et précision font également partie de vos qualités. Vous aimez travailler aussi bien seul qu'en équipe. Les mathématiques et le dessin technique vous intéressent? Alors découvrez le métier de dessinateur-dessinatrice orientation architecture et génie civil. Sur la base des projets et indications des architectes et ingénieurs, les dessinateurs et dessinatrices en architecture préparent des plans d'exécution pour la construction, la transformation ou la rénovation de villas, d'immeubles, d'écoles ou encore d'hôtels. Pour l'orientation génie civil, il s'agit par exemple de plans de routes, de ponts, d'installations hydrauliques ou de tunnels. Quelle que soit l'orientation, les dessinateurs réalisent des esquisses et des dessins à l'ordinateur en tenant compte des contraintes techniques et des normes de construction. Ils prennent part au suivi du chantier et collaborent avec les maîtres d'œuvre et les autres professionnels du bâtiment. Alors, j'ai choisi ce métier parce que, à la base, j'aimais beaucoup le dessin technique aussi. Et puis, je me suis toujours intéressé à l'architecture quand j'allais visiter dans les villes ou ce genre de choses. J'aime bien dessiner à l'ordinateur. J'ai aussi beaucoup dessiné à la main. Et puis, faire des maquettes, c'est intéressant, ça change aussi. Et puis, j'aime bien aussi les discussions avec les clients et voir, comprendre ce qu'ils veulent, voir ce qui est possible de faire ou pas. Moi, j'aime bien la rigueur, tout ce qui est précision, technique. On doit réfléchir à tout. On peut difficilement se permettre beaucoup d'erreurs. C'est des erreurs qui coûtent vite cher dans le bâtiment. J'ai choisi ce métier parce que j'aime l'image, j'aime faire beaucoup de géométrie, j'aime travailler avec des ordinateurs, évidemment. Pouvoir faire tous ces plans avec beaucoup de 3D, par exemple, en ce moment, c'est assez satisfaisant. J'ai fait différents stages, dessinateur en bâtiment, génie civil, et c'est génie civil principalement retenu pour une question de diversité. Là où un dessinateur en bâtiment, il va, du coup, dans le nom, plus rester dans le bâtiment, nous, on peut voir autant de la route que du ferroviaire, que des ponts, aussi du bâtiment. Moi, c'est vraiment dessiner des routes, tout ce qui est route, ce qui est côté des routes, les talus, les canalisations qui vont sous la route. J'ai plus aimé ce côté génie civil où on a cette technique, ce côté calcul physique. Le contact qu'on peut avoir avec l'architecte et aussi les clients. Quand tu dessines un projet qui est abstrait et puis ensuite voir le résultat final à la fin, voir ce qu'on a dessiné, je trouve ça intéressant. On travaille aussi avec beaucoup de gens parce qu'on travaille avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier. Carreleurs, électriciens, parquetteurs et tout ça. Et on prend responsabilité, on doit comprendre ce qu'on dessine et on doit vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit dessiner et on doit imaginer dans la tête pour dire que ça, c'est ce que je dois faire en fait. Moi j'aime bien dessiner un objet et m'en rendre compte, enfin le voir après dans la vraie vie. Donc on se balade, je dis ah bah ça c'est moi qui ai dessiné ou des choses comme ça. Visualiser ça, c'est cool. Ou même aller le contrôler sur place et puis on se rend compte en fait de l'ampleur vraiment de la chose. Je travaille dans un bureau d'architecture lausannois qui a à peu près 80 employés, dont une dizaine de dessinateurs orientation architecture. Et ils ont aussi un bureau en Argentine d'une vingtaine d'employés. Je suis dessinateur en génie civil depuis 2 ans. On est plus de 250 personnes rien qu'à Lausanne. On travaille à l'international et nos domaines d'activité sont l'infrastructure, le bâtiment, l'environnement et l'énergie. On fait un peu la liaison entre le côté créatif de l'architecte et aussi le côté technique des entreprises. En fait, le dessinateur arrive dans plusieurs phases du projet. Ça peut être un avant-projet, ça peut être lors des plans d'appel d'offres ou lors des plans d'exécution. Et essentiellement, moi, je travaille plutôt sur la phase plan d'exécution, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la coordination des détails et d'aller sur site avec les différents corps de métier. Jusqu'à l'axe, à peu près, j'ai 123. Je reçois un plan qui est un plan qui n'est pas forcément abouti. Et moi, je vais un peu plus loin. Je creuse en fait au niveau du détail. Là, on a reçu des plans d'entreprise qu'on doit corriger, que j'ai dû corriger. Puis on contrôle avec nos plans que les cotations fonctionnent.
dès qu'on sort les plans de l'entreprise, eux, ils ont une certaine manière de faire aussi, qui les arrange. Et nous, on doit vraiment veiller, le dessinateur doit vraiment veiller à ce que l'entreprise a respecté ce que nous, on a dessiné de base. Et après aussi, ça peut arriver qu'on remette aussi en question nos détails en fonction de l'entreprise aussi, parce que peut-être qu'on se rend compte que leur idée est peut-être bonne aussi et qu'on peut trouver une solution ensemble pour améliorer. Je te propose peut-être d'aller voir la dalle. On va souvent vérifier sur site que tout a été exécuté selon plan architecte au niveau du brut. On a souvent aussi des séances de coordination. Et après, il y a aussi des séances de coordination chantier avec les différents corps de métier, les entreprises. Et on fait aussi des séances de coordination avec tous les mandataires qui sont liés au projet. Ok, et puis ici aussi ou pas ? Le vrai travail d'un dessinateur, c'est de mettre sur plan tout ce qui est les pensées de l'ingénieur par rapport à un projet. Alors là, c'est un profil type pour un tunnel ferroviaire. On a le train qui passe à l'intérieur du tunnel. Le projet que j'ai le plus travaillé, c'était la création de deux tunnels. Et on a agrandi le tunnel parce que les gabarits des routes, des voitures ont changé. On va recevoir un projet d'un ingénieur, il va faire les calculs et nous, on va essayer de mettre ça sur plan. Alors déjà, il y a une partie de montrer ce qui va être réalisé et comment ça va être réalisé. Après, ces plans servent également pour, sur le chantier, comment il va être réalisé. Les maçons ou ceux qui travaillent sur le chantier vont servir de ces plans pour créer l'ouvrage. Nous, on va surtout se focaliser sur le béton. On va regarder où sont les percements. Par exemple, les fenêtres ou les portes. Et puis, on va après armer le tout, étage par étage. On va faire les canalisations, regarder où sont les canalisations. On va regarder les efforts qui sont mis justement sur chaque dalle, dimensionner le tout. Et après, ce sera un jeu de plans de chaque étage, par exemple, avec l'armature de chaque étage. Alors, le plan va être envoyé sur le chantier directement pour les maçons ou autres corps de métier qui est sur place, pour réaliser justement cet ouvrage. Ok, alors sur le plan situation générale, ouais, t'aimerais que je supprime la hachure. Durant l'exécution, on réadapte les plans. Ouais. Il y a pas mal de choses qu'on n'avait peut-être pas prévues ou qui sont de l'ordre de sur le moment. Ouais, et après, on refait des plans conformes de ce qui a vraiment été réalisé sur place. Au sein du bureau, on a des horaires assez flexibles. On doit faire à peu près 8h30 par jour. Et ça peut arriver que lors de grands rendus ou ce qu'on doit rendre des détails assez urgents, qu'on fasse des heures supplémentaires. Mes horaires sont plutôt variables. Il y a des horaires où il faut être présent, parce que vu qu'on travaille en groupe, il faut qu'on soit à peu près tous là aux mêmes horaires. On peut éventuellement encore ici descendre. Je suis 70% du temps quand même au bureau devant l'ordinateur et le restant, les 30% du temps, je suis ou soit en séance de coordination avec les entreprises ou soit en séance de coordination avec les mandataires ou soit sur le chantier. Ok. Alors les qualités essentielles pour faire le métier, aimer le dessin technique, d'avoir une bonne vision dans l'espace, d'être créatif, d'être polyvalent, d'être autonome, et très précis. Tout ce qui est maths, physique, c'est clair qu'il y a beaucoup de calculs, il faut être à l'aise, mais je pense que tout s'apprend. Si on est passionné, il y a tout qui s'apprend. Après, il faut avoir certaines bases dans la vision dans l'espace. Ce qu'on va mettre sur plan, il faut déjà l'imaginer dans sa tête. Ça, c'est un petit appart. Il y a la vue. C'est quoi, c'est un deux pièces en fait. C'est l'échange qu'on a avec les différents corps de métier qui nous permet d'enrichir aussi notre expérience professionnelle. On touche pas mal d'aspects ou de domaines d'activité, que ce soit l'infrastructure, le bâtiment, l'environnement ou l'énergie. Et ils sont tous autant intéressants. On peut se spécialiser dans un, on peut décider de toucher un peu de tout. C'est vrai qu'il y a certaines tâches qui sont assez laborieuses, qu'on passe beaucoup de temps dessus. Et c'est vrai que des fois, on n'y voit pas le bout. Le fait de ne pas sortir assez, d'après moi, de ne pas aller assez sur le chantier. C'est
c'est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années grâce à notre outil informatique en fait, qui nous permet de générer des maquettes 3D. De pouvoir voir les objets qu'on dessine et qu'ils aient un volume, qu'on puisse pivoter autour et que ce soit beaucoup plus représentatif de ce qui va être fait sur place. La première fois que j'ai bossé sur un projet seul, c'était pas un projet très grand, mais c'était un petit chalet à Grimens. Et de pouvoir justement aller sur place et de voir que mes dessins ont été réalisés et que la maison était superbe, quoi. Ça, c'était un très bon souvenir. Lorsqu'on a dessiné le plan, qu'on y a passé du temps et qu'on y a réfléchi, de le voir après réel face à soi et qui va être utile à des personnes, c'est l'avantage principal.